Comment bien commencer ta nouvelle année? Ok, moi je vais te présenter quelques trucs que j'ai pris pour pouvoir bien commencer ma nouvelle année avec les nouveaux objectifs que je me suis fixé tout au long de cette année, quoi. Donc là, j'ai procédé à une commande pour pouvoir accomplir ces objectifs-là, quoi. Et je tenais à faire l'unboxing avec toi pour te montrer ce que contient cette commande. Donc, comme on l'a livré, il est dans ce petit carton et tout, je l'ai récupéré il y a quelques jours déjà. Donc, je voulais procéder à l'unboxing avec toi. C'est vrai que je l'ai ouvert déjà à l'agence de livraison et tout, juste pour m'assurer que tout est OK à l'intérieur. Mais là, je vais procéder à l'unboxing officiel avec toi, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et comme d'habitude, je t'invite déjà à liker la vidéo, t'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des Matiteurs. Et puis, on va passer à l'unboxing de ce carton, quoi. OK? Ça te va? On y va donc. Donc voilà le carton que j'ai reçu pour avec la commande que j'ai faite. Et là, on va, je pense, sur ce côté. On va l'ouvrir ensemble et te pouvoir tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ok. Donc là, la première chose que j'ai commandé, ce sont ces feutres, quoi. J'utilise beaucoup le tableau blanc pour pouvoir mapper mes funnels, pour pouvoir brainstormer et tout, quand c'est pas dans le carnet de notes et tout. Et puis j'ai trouvé que ces feutres étaient très intéressants parce que non seulement la texture est très bonne pour moi, et c'était possible de changer l'encre lorsque l'encre finit, quoi. Donc j'ai dit, je commande un exemplaire pour voir à quoi ça ressemble avec toutes les autres couleurs, quoi. Donc je vais voir avec le truc. Et puis je pourrais faire peut-être une review de ces feutres avec vous, quoi. Donc voilà, les premiers trucs, c'est ces feutres aussi, pilotes, les feutres pilotes. C'est même, en termes, les stylos, même ce sont les stylos pilotes aussi que j'utilise et tout, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai commandé. Le reste, vous allez voir, c'est terrible. On va commencer par quoi? Le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Voilà. Donc, voilà le livre que j'ai commandé. Parce que je voudrais vraiment, vraiment apporter beaucoup de valeur à tous ceux qui me suivent, à tous les clients, à tous les prospects, tout mon cercle, quoi, et tout. Et il partage de très, très bonnes techniques dans son livre pour pouvoir le faire, quoi, de façon éthique. Donc, c'est ce que je vais faire et tout. Voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter ce livre, c'est quoi. Donc, je pense que ça va beaucoup, ça va énormément aider. Et quand je vais terminer le livre, je vais faire une vidéo sur la chaîne et sur mon blog et tout pour vous partager le contenu de ce livre, quoi. Donc voilà l'un des livres que j'ai commandé. Le second, c'est YouTube, la formule magique de Daryl Eves. Voilà, c'est lui que j'ai commandé. En fait, c'est la version, je savais même pas qu'en fait je savais pas qu'il y avait une version française, la version française de YouTube Formula de Daryl Eves et tout. Donc, c'est de YouTube. C'est au moment de l'achat sur Amazon que je me suis rendu compte qu'il y avait une version française. Il y a, je pense que, la Comédie Française, quelque chose comme ça, qui a traduit ça. Une maison d'édition qui a traduit ça en français, quoi. Bon, je sais pas si la qualité est la même, mais je vais lire et puis je verrai, quoi. Parce que je lisais il y a ce livre sur format Kindle, mais je voulais l'avoir en format papier, mais c'était en anglais, directement, quoi, de YouTube Formula. Donc, j'ai dit, OK, bon, je vais prendre la version française, non seulement parce que ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement avec la version papier, bien sûr, puisque je peux l'amener n'importe où, je peux surligner directement, je peux faire. C'est vrai que je fais aussi avec le Kindle, mais quand j'ai la version papier, c'est pour moi, je ressens plus le truc, quoi. Donc, j'ai dit, je prends, et puis j'ai pris la version française aussi, parce que j'aurais aussi pu prendre la version anglaise. J'ai aussi pris la version française aussi, parce que quand je vais terminer, il y a plein de personnes qui sont autour de moi qui veulent développer leur business, développer leur chaîne YouTube, qui pourraient aussi en profiter, quoi. Et sont pas, ces personnes-là ne sont pas très, très, très pointueuses dans la langue anglaise, quoi. Donc, je dis pourquoi pas. J'ai dit, bon, je prends la version française. Voilà pourquoi j'ai pris la version française. Et puis, je ne vois même pas quoi. La traduction permet aussi d'avoir le même impact que la version anglaise, quoi. Donc, voilà le deuxième livre. J'ai décidé de prendre ce livre aussi parce que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment commencer à développer ma chaîne YouTube. Je ne me suis jamais vraiment impliqué avec ça depuis des années que je fais du business et tout. Je me suis dit, cette année, je vais le faire, quoi. Donc, lui, c'est vraiment, ce mec, il est vraiment très, très bon dans ce business-là, hein, dans le développement des chaînes YouTube et tout. Il est extrêmement fort. Donc, j'ai dit, je vais prendre ses conseils, je vais appliquer ses conseils. Comme je vous l'ai toujours dit, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Et il y a un
raccourci pour tout. Si tu veux faire quelque chose, cherche quelqu'un qui l'a déjà fait, tu lui demandes comment il a fait. L'un des moyens pour le faire, c'est simplement de prendre son contenu qui l'a publié dans le livre, s'il a livre, quoi. Il y a des formations, il y a du coaching, il y a du consulting, ça dépend de comment est-ce que vous pouvez faire, mais faites en sorte de rentrer en contact avec les informations de cette personne-là. OK, donc voilà le second livre que j'ai commandé. Et le troisième, je pense que c'est le dernier du colis, c'est ce livre-ci. C'est un livre de copywriting et tout. Comment est-ce qu'on rédige les messages de vente? Sell copy. OK. Sell letter. Donc, lui, c'est un expert vraiment du copywriting et tout. Elvaldo Albuquerque. J'espère que je te disais quand je passe son nom. Donc, lui, c'est un expert du copywriting. Il écrit un excellent livre et tout. Donc, j'ai dit, OK, je le prends et puis je vais appliquer. Parce que cette année aussi, je me suis dit, OK, il faudrait que j'améliore mon copywriting et tout. Parce que je me démarquement à l'intérieur sur mon copywriting. J'ai dit, OK, il faut que j'améliore ce truc et tout. Donc, je me suis dit, je vais prendre l'un des livres des meilleurs que je connais. Que je connaisse dans ce domaine, dans le monde entier aux États-Unis et tout. Il est très, très bon. Je vais mettre les liens de tout ceci dans la description. Donc, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc, vous aussi, si vous voulez avoir accès à ce livre, vous aurez les liens directs pour accéder à tout ceci. Donc, je me suis dit, OK, voilà, je vais améliorer mon copywriting. Voilà le livre qui me permettra de le faire. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et en parlant justement de livres, j'ai un catalogue qui te permet d'avoir plus de 40 livres comme ça, physiques, gratuitement, de business, de mindset, de productivité pour pouvoir lancer, développer et scaler ton business facilement, quoi. OK, marketing et tout. Donc, tu as le lien aussi dans la description de la vidéo si tu veux en profiter, quoi. Donc, voilà le truc. Donc, moi, j'ai terminé. Voilà tout le contenu de mon colis, tout le contenu de ma commande et tout. J'ai dit cette année, vraiment, voilà tous les points que je vais vraiment développer et tout. Donc, voilà tout le contenu. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et tout, quoi. Donc, comme d'habitude, j'ai un challenge que j'organise pour t'aider. Tu vous voyez, par exemple, là, le mec, moi, j'ai sorti de l'argent pour acheter ses livres. Les mecs, ils ont écrit, ils ont publié sur Amazon et puis moi, j'ai sorti de l'argent pour pouvoir récupérer ma copie. Et ils ont eu l'argent, moi, j'ai eu la copie. Je dis, vous pouvez aussi faire ce business-là, quoi. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert en rédaction de livres, pas du tout. Vous n'avez même pas besoin de savoir comment ça se passe. Et du coup, j'organise un challenge pour te permettre, un challenge de 5 jours pour te permettre de pouvoir publier ton premier ou ton prochain livre qui va se vendre sur Amazon en 5 jours. Donc, le lien se trouve dans la description. Inscris-toi simplement au challenge et puis ça se passe en live. Tu pourras me voir en live comment je fais pour pouvoir le faire, quoi. OK? Tout se passe en live. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de cliquer simplement sur le lien dans la description et puis tu suis la procédure et puis tu rejoins, tu réserves ta place pour le challenge. Donc, voilà. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, commente la vidéo. Quel est le livre que tu as acheté ce mois ou bien ce début d'année pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir scaler ton business, pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir te développer, quoi. OK? Tu me dis dans les commentaires, partage la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment profiter de ce type de contenu autour de toi. Donc, je t'invite vraiment à partager cette vidéo avec ces personnes et puis elles pourront aussi en profiter, quoi. Donc, moi, c'était Aristide. Si tu as rejoint le challenge, on se reprend au challenge. Si tu n'as pas rejoint, c'est pas grave. On se dit à la prochaine vidéo, quoi. Ciao, bye bye.